au départ de Taoné, 222 rameurs. Dans le paquet, on compte notamment Brice Pounouat Ahitoa, Nareyadje ou encore Tuteari Huatua. Ce dernier prend rapidement la tête de la course. Dans le surf entre Taoné et Faa, il est néanmoins marqué par Revi Tonsing. Les deux rameurs progressent en duo jusqu'à l'entrée de passe de Tapuna, où Revi Tonsing prend la tête, puis creuse l'écart. Il ne laisse aucune chance à son adversaire. Ben, dans le surf, il a bien aussi tracé. Moi, j'ai juste marqué et j'ai bien géré pas derrière. Et quand j'ai vu que j'avais un bon feeling, ben, j'ai fait que de pousser, j'ai plus réfléchi. Derrière, Tuteari Huatua a dû s'incliner après avoir dominé la moitié de la course. Il est suivi de très près par Brice Pounouat Ahitoa. Et avant le poteau blanc, j'ai eu un coup de barre. J'avais plus de repères, la vitesse, je savais plus où j'étais, quoi. Après, j'ai essayé de tenir Revi. Poteau blanc, j'ai pas pu. Manque de feeling, quoi. Tu t'es entraîné pour cette course? Pas trop, hein. Mais voilà, je tenais vraiment aussi à faire cette course pour tenir à peu près le niveau, quoi. En kayak, c'est Hiromana Flores qui s'impose avec une avance confortable et un temps de 1h32 minutes et 10 secondes. Et en stand-up paddle, Lorenzo Bennett arrive en tête. Une nouvelle édition réussie pour la Matare Surfski. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.